ça c'est Black Knight, évidemment. Je décompose très rapidement. Le premier riff, le riff principal. En cinquième position, on va passer énormément de temps en cinquième position. Donc on attaque ici avec un mi, troisième doigt, septième case, cinquième corde. Bon, tout ça c'est sur la tablature, donc je détaille pas trop. Je le joue lentement. Et ça, on répète. Évidemment, on joue ternaire. Donc, les croches sont inégales. La première croche est longue, la deuxième croche est courte. On répète ça. Ensuite, entre le chant, et donc, pour accompagner ça, sous le couplet, nous avons un riff très très simple, toujours en cinquième position, sur les notes Ré et Mi, plus le Mi à vide, en corde étouffée. Voilà, donc ça fait six fois la même mesure. Ensuite, nous avons un changement, évidemment, toujours. Et je m'en souviens plus, voilà. Là, il se passe beaucoup de choses. On peut partir directement de la septième case ou commencer par un slide. La cassure à la fin, c'est parce qu'on passe en triolet de noir, donc trois noirs en deux temps, ce qui donne une impression de ralentissement. On peut aussi faire au tout début un petit tri sur la deuxième note. Vous voyez ? Petite appoggiature comme ça. Donc là, c'est un petit peu délicat. D'accord? C'est bien retomber sur le quatrième temps. Évidemment, comme je joue lentement, j'en fais un peu plus. Ensuite, on passe en troisième position. Ou juste ça. Ça suffit, mais c'est la même idée. Ensuite, il y a un solo, donc celui-là, je l'ai enlevé, la petite partie en aigu, parce qu'elle est trop difficile pour les débutants. Donc on va faire simplement un accord de mi en septième position avec le mi à vide. Et on va jouer comme ceci. Voilà, je ne joue pas sur les bonnes cases. D'accord ? Donc on étouffe bien et on laisse juste sonner la dernière note. Voilà. Et ensuite on va retrouver. Ah oui, la cinquième position. C'est pas évident quand on décompose. Alors là, on peut faire comme tout à l'heure. Ou alors sur la sixième corde. J'aime beaucoup ce petit triolet avec le ré dièse au lieu du ré naturel. Très blues. Et ensuite, on se retrouve en troisième position, même topo. Et on conclut par un accord de si. Deux mesures, huit noirs, et ensuite... Retour au début, et c'est la même chose avec variation ou pas, selon l'imagination. Voilà, merci.